Oui, ce serpent peut t'interpeller. What? Faut que je l'achappe. Lacostéenne, même couleur. Moi j'étais en Lacostéenne. Ouais mec. C'était avec la Lacostéenne. Ouais. Ah c'était un out Philippe. Oh. Ouais, c'est les frérots, c'est Tonton Démonexion. On se retrouve aujourd'hui les refs pour une nouvelle petite vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les gars, ça fait une semaine que je leur cache cette vidéo là. Ils sont tous en train de se poser des questions depuis 3, 4, 5, 6, 7 jours. Aujourd'hui, c'est quoi les mecs? C'est mon anniversaire. Non mais par contre, Faites-les mal là pour l'instant, vas-y, profitez-en. T'as trop la rage. Vous l'avez déjà vu dans le titre, qui dit anniversaire, qui dit 24 heures, tu obéis à la personne. Vous allez m'obéir pendant 24 heures. Ça va pas être comme vous, moi tout est prêt, tout est carré, tout est truc comme ça. Pouvez-vous me chanter déjà joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Non, mais pas toi tout seul, tous ensemble. Joyeux anniversaire, des mots. En entier, hein, vas-y. Joyeux anniversaire. Un peu plus de paix. Tais-toi, attends, c'est bon. Souris un peu plus. Ouais. On l'applaudit, s'il vous plaît. Mais avant de commencer tout ça, j'ai déjà une grande annonce à vous faire, les amis. Une très grande annonce. Yes. J'ai les 500 balles. Ah, oui, pourquoi j'ai une veste là comme ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh, les mecs, on a la marque de la chaîne, les frérots. Ok? Oh, ça c'est ta veste. Vous pouvez applaudir, merci les mecs. Yeah! Donc la marque, ça y est, elle vient de voir le jour. Ça fait longtemps que vous me l'avez demandé, les refs, et je me suis dit, bah, le meilleur moment c'est quoi? C'est mon anniversaire. Bro-ter. Je suis français. Faut que tu dis comme ça, un peu d'accent. Bro-ter. Le nom de la marque, ça va être Brother. Brother, pourquoi? Ça veut dire quoi, Brother? On est tous cousins. Voilà, parce qu'on est tous cousins. Le nom de la marque, c'est Brother pour nous représenter nous. Pour commencer, il va y avoir deux suites avec trois t-shirts. Ils sont là! Let's go! Surprise! Petit logo classique. Donc le 4, pourquoi? Parce qu'on est le 4, le jour de ton anniversaire. Déjà, c'est le 14. Yeah. Un petit Brother avec le chiffre romain 4. C'est à dire, je vais jamais acheter d'habits maintenant. Exactement! Ouais. Vous avez plus besoin d'acheter des habits, les mecs! Ouais, t'étais un peu gros toi, du coup tu rentrais pas trop dans les tailles. Donc toi t'en auras pas. J'en ai pris pour tout le monde mais pas pour toi. T'étais un peu... De la douleur dans mon cœur. Il y avait pas de taille, Nadim. Ok, je fais pas la vidéo. Mais Nadim, attends, est-ce que t'aimes bien la marque déjà? Dis-moi. Oui, bah oui, j'aime bien. T'aimes beaucoup. Beaucoup. C'est vrai? Mais t'en auras toujours pas. Tout le monde est contre moi. Pour cette marque, je suis en collaboration avec Lolingo. Je vais vous expliquer, ok? Lolingo. En fait, je me suis mis en collaboration avec eux. Comme ça, je vais éviter de gérer tout ce qui est stock. Toute la gestion, moi, je gère pas. Moi, je vais avec eux tout ce qui est design, tout ce qui est trucs comme ça. On voit ensemble pour les collections. Et ensuite, eux, ils s'occupent de la matière. La matière, elle est super quali. Tu peux toucher, non? T'as touché, t'achètes. Ils vont également s'occuper des envois, des retours si jamais la taille va pas. Bref, ils seront à l'affût 100%. Alors que si j'aurais été solo, ça aurait été un peu plus compliqué. Par rapport au prix, je vais être transparent surtout. J'ai pris le moins cher que je pouvais parce que j'ai envie de vous régaler tous. Les suites sont à 45€, les t-shirts je crois à 29. J'aurais pu mettre 69 pour me faire plus de marge, mais j'ai fait 45 le plus bas. Et moi sur 45€, je faisais 10 balles. Ah, tu vois, vous entendez ça, la team? J'ai fait le moins cher possible, les refs, pour vous régaler un maximum. Il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver à chaque fois, les refs, tous les mois, tous les deux mois. Là, il va y avoir les casquettes qui vont arriver, il va y avoir des mugs aussi. Ah, tu me prends un mug et tu me prends une casquette. Ok, mec. Et tu me prends un maillot. Tu veux tout en fait? Oui. Les refs, si vous avez aussi des suggestions, parce que c'est avant tout notre marque à tous ensemble, vous mettez ça, les gars. Si vous voulez voir des nouveaux produits, des lampes, tout ce que vous voulez, Lolingo, ils font tout. Vous me dites et moi je ferai ça. Ok? J'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. Eh oui, les mecs. Eh oui. Mais j'ai pas d'argent, c'est moi. Comme d'habitude. J'ai pensé à vous. Vous verrez tout ça sur le site, il y aura tout en description, tu connais frérot. Est-ce que l'annonce ça vous fait plaisir déjà? Les bonbons ils sont bons hein. J'espère que cette annonce va vous faire plaisir. Avant tout, bah c'était pour vous parce que je sais que j'ai eu beaucoup de demandes sur faire une petite marque de vêtements. En fait, avoir un truc à nous, propre à nous. J'ai voulu surtout mettre un truc que vous pouvez mettre dans la rue les refs. Ok, vous avez pas ma grosse tête, votre grosse tête dégueulasse comme ça, tu vois. C'est à dire même si un jour vous n'aimez plus trop la chaîne, bah c'est pas grave. Le petit maillot, voilà, il passe tranquille, tu vois, tu peux le mettre au calme. Je suis pas trop bégé moi. Eh Nadim, t'es incroyable. Bien évidemment pour les tailles, il y aura de toutes les tailles les refs. À partir de l'âge de Nadim jusqu'à l'âge de 70. C'est du S. Et j'en profite pour poser une petite dédicace à Jenny qui m'a énormément aidé pour développer tout ça. Pour une marque, tu sais, il faut des mannequins. Sûr, c'est nous. Yes. Donc cet après-midi, les mecs, il y a un shooting photo. Ouais. Et vous allez devoir poser. C'est vous qui allez être sur le site internet. Je veux des vraies postures, pas des postures de chien comme ça. Ok. Avant d'aller faire les photos, on ira au coiffeur. Et je vais décider du coup un peu de la coupe. Non. C'est mon anniversaire, je suis désolé les gars. Pas la boule à Z, mais moi j'aimerais bien un petit B. C'est de la marque Brother. Oui. Là ce matin, on va continuer la petite vidéo parce que c'est mon anniversaire avant tout. Toi et Nadim, vous allez me chercher un croissant. Vas-y, je t'attends là. Allez, bonne chance. Les refs, n'hésitez pas, vous m'explosez des petits pouces bleus. Si vous êtes content, vous me dites ça dans les commentaires. Vous savez que je lis énormément les messages que vous m'envoyez, les refs. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis dessus. Ça fait plaisir. C'est parti. Avec Nadim, allez, viens.
Bon les gars, je crois que c'est l'heure. On va devoir y aller avec Nadim. Nadim il a son vélo. En plus on est vraiment loin. En fait le problème c'est qu'on est loin de la boulangerie. Mais ça va pas se passer comme ça. On va faire une petite dinguerie Nadim, t'inquiète, ok. On va y aller. On va prendre un truc bien dégueulasse, tu vois. Je viens de me réveiller et je suis obligée d'y aller. Donc du coup non, ça va pas se passer comme ça. En mode beau gosse. Ah les gars, on a fait 5 mètres. Ah oui. Bon les gars, en plus, là ce qui est. Mais. C'est lundi frère. Bon allez Nadim, on trace, ok. Bon les gars, c'est bon, je viens d'arriver là. Donc devant la boulangerie. Bon, je vais aller prendre le truc le plus dégueulasse que je vois, ok. C'est parti. Bonne journée, au revoir. Après, un truc incroyable, on va le manger. Bon les gars, je me suis posée pour vous montrer ce qu'on a pris. Nadim. Alors, elle est dedans. Je vais te montrer. C'est incroyable. Voilà les gars ce que j'ai pris. Il a pris un truc incroyable. Non, je t'explique. Tu sais pourquoi j'ai pris ça? Non. Il est à la salle. À la salle, tu peux pas manger ça. T'as pas le droit de manger ça. Ou viens, on mange que la boule. Mais non, tu vas pas le manger. Écoute. Il a pas le droit, non. C'est à la salle. Ouais. Hop, t'as on sèche et tout. Il va dire, oh non les gars, je voulais pas ça. Et il va nous le donner. Et après, on va le manger. T'as compris ou pas la technique? Mais là, non, il va pas aimer. C'est ma stratégie en fait. Vas-y les gars, je vous reprends dès qu'on rentre. Bon bah, je crois les gars, Nadim est fatigué. Hein. Allez, vas-y, allez, go. Les gars, il fait des pauses toutes les 5 minutes, ça c'est un peu chaud. Les gars, je croyais pas prêt pour la montée. Allez, t'arrêtes pas. Allez, Nadim. Allez. Oh mon dieu, allez, bombarde. Allez. Déjà, on est arrivé là avec Nadim, donc on va aller lui donner. Normalement, si mon plan se passe bien, il va nous laisser, on va pouvoir déguster ça. C'est à la sèche, c'est au sport et tout. Tu peux pas manger des trucs gras. Si. Non, on tu peux pas. Si, mais si, c'est mon anniversaire. Non, mais regarde. Mais c'est dégueulasse, gros, j'aime pas ça. Ah non. Oh merde. Oh, c'est con ça. Non, t'aimes pas ça. Une montre religieuse, que du chocolat. Une quoi? Une montre religieuse. Oh non, mais non. Ah, j'ai acheté pour toi. Ah oui, c'est le but. En tout cas, il a l'air bon là, non? Faut la garder, j'aime pas. Oh non, mais. Ah, trop relou, hein. Oh non. Ah, c'est mon anniversaire, tu sais que là, je vais t'allumer encore plus. Non, vas-y, c'est trop nul là. Non, vas-y, non. C'était pour moi, bande de chien. Non. Ouais, dégage-toi. C'est Rémi pour le petit croissant, même si tu l'as pris pour ta gueule, espèce de chien. C'était le but. Ok. La team là, je vois un truc de fou là. Non, calme-toi. T'as rien vu. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous savez qu'on se dit tout. Ok, maintenant c'est la famille, vous, nous, eux. Bon, eux pas trop. Donc là, les refs, pour mon anniversaire, je me suis fait un cadeau parce que bah, c'est pas eux qui me feraient un cadeau. Bande de chiens, vous avez acheté un truc? Ouais. Ouais, vas-y. Le gâteau, voilà. Ouais, c'était mon argent. Vous savez que la Twitouille, elle est un peu en fin de vie. J'ai racheté une nouvelle voiture, les frérots. Je vais vous la montrer tout de suite. Et ensuite, on enchaînera sur la vidéo. Ok, c'est une petite parenthèse. Vas-y, venez, suivez-moi. Du coup, on avait la Twitouille. Donc là, le modèle de la voiture, c'est une Mercedes. On va l'appeler la Mini. Réfléchis, bon sang. Le pipi. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. Rémi, tu sais que t'as 40 ans, arrête avec les blagues comme ça. Ça t'a fait rire. Hey, dans cette journée, je vais t'offrir un cadeau, moi. C'est vrai, tu vas m'offrir quoi? Tu vas voir. Ah, tu vas trouver un truc par terre, tu vas me l'offrir, t'es en train de réfléchir. Là. La nouvelle voiture de tonton Démonexion, ça s'appelle une Mimi. La pipi. Ok. Oh, oui. Donc voilà, les frérots, bah tout ça, les gars, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce au charbon. Wow, on est là. Voilà, Rémi va pouvoir aller derrière et ouvrir la fenêtre sans dégueuler devant. Ça fait plaisir. Et on en va avoir surtout la place, les mecs, si on veut partir, si on veut acheter des trucs. Les gars. Un nouveau lit. L'objectif c'est pas de la pourrir la voiture, c'est bon. Un nouveau lit. Dégage-toi. Oh, arrête quoi. Oh, je suis vraiment posé là. Donc voilà les frérots, ça fait plaisir, en vrai de vrai. Ok, là, ça là, fait on a plaisir. Le moteur ici. Montre-leur le moteur. Quoi? Là il y a le moteur là. Donc, c'est ça ton problème, toi t'as du pipi dans la tête toi. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, c'est mignon, c'est classique, hein, c'est des Mercedes. Moi je suis un mec, j'aime pas abandonner les choses. Les gars, je vais pas vous mentir, ça me fait trop mal au cœur pour la Twitoui. Y'a un monsieur qui vient d'avoir le permis là dernièrement. C'est qui? C'est moi. Zizou. Clodo. Zizou, bien évidemment, je vais te laisser la Twitouille, c'est logique. Mais je vais te laisser un petit cadeau avec. Dès que je lui montrerai le petit cadeau de la Twitouille, vous allez venir nettoyer la Mercedes. Vous m'avez offert un gâteau dégueulasse. Mais elle est déjà clean. Vous allez. Non, regarde. Il y a des taches ici, ça, j'aime pas ça. Tu vois, les trucs comme ça, regarde. Là, il y a des taches, des trucs comme ça. Ok, ça me plaît pas trop. Il y a des moustiques un peu. Vous allez lever la main. Allez, viens, mec. Sur notre chaîne, on a un truc avec la patte patrouille depuis le début, depuis très 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 longtemps. Je pense c'est quoi? Je pense c'est des cartes Pokémon. Mais je l'aime pas, voilà. Aujourd'hui, je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Un gars de bonheur. Donc
vous, j'ai décidé de... Ça s'enlèvera pas. Je l'ai commandé carrément chez un garage. Je t'en ai mis un ici, je t'en ai mis deux derrière. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui veut te rentrer dedans. Bah il va ralentir. Je t'en ai mis encore un là. Et je t'en ai mis un dernier sur le devant. Là c'est du papier cadeau là. Ah t'as vu l'intérieur? Attends mec, attends. L'intérieur, c'est stylé. Mais ça, c'est stylé. Mais wesh, la montre elle tue frère. La montre. Je t'ai mis une petite montre, on sait jamais si t'as pas trop l'heure. Sur les sièges, je t'ai fait une petite personnalisation mec. Petite housse, pas de patrouille, regarde. Tu te mets dedans. En plus, regarde, t'as des masques. Chaque siège a un masque. Ok, si t'as des copains, on sait jamais. Tu veux leur donner un petit masque. Ah ouais, okay. C'est un beau cadeau. C'est, en vrai, oh, ouais, ça fait plaisir ou pas? T'aimes bien, Zizou? Ça tue, hein. Rémi, t'aurais bien aimé. Ouais. C'est... Ah. Voilà, c'est. C'est top. T'aimes bien? Ta tête là. Maintenant, toi là. Zizou et Nadim. Mais non, mais moi, j'ai pas choisi le gâteau. Moi, j'ai surveillé le vélo. J'ai rien fait. Ou viens, on mange que la boule. Je me suis dit, s'il me ramène un bon truc, je lui enlève ça. Tu m'as ramené une chiasse. Oh, mais j'ai bien aimé. Char débardeur, c'est bon. Et vous allez nettoyer la Mercedes. Et je veux que vous mettiez une musique des Pussycats de les enfants. Allez, c'est parti. Regarde mon physique, gros. T'as dit quoi, les enfants? Ouais, je te ouf. Pourquoi ça, c'est ma physique comme ça? Baraque de fou, frère. Voilà, du coup, non. Oh, Rémi. Rémi, arrête. Ah, fais pas des trucs comme ça, on dirait un ficello, toi. Le chien, il est parti pas ou pas? Non, moi aussi. Regardez là-bas, mon. On n'a pas les produits pour nettoyer comme il faut. Vous allez aller dans un supermarché. Moi, j'y vais pas. Quoi? Vous allez dans un supermarché. Rémi, c'est mon anniversaire. Non, je veux pas savoir. Vais pas. Non, mais je veux pas savoir, c'est mon anniversaire. Wesh, t'as des bleus, mon gars. Tu te fais battre? C'est la muscu, frère. Regarde l'autre, regarde. Lui, c'est un débardeur normal. Hein. Dites-vous que c'est une tenue normale, lui. Il fait quoi? Il se caresse avec un bout de bois? Vous êtes dans un rayon voiture. Vous avez regardé tout ce qui est chiffon pour extérieur. Wesh, Nadim, il a un triceps, hein? Il a un triceps. T'as un triceps de ouf. Il y a une obusque Rémi. Bah, c'est quoi? Vous achetez les nouveaux matériels et puis vous allez nettoyer la voiture après, c'est bon? Allez, on fait comme ça. Dégueulasse. C'est Gougoune qui regarde par là. Zizou, t'as les Gougoune qui sortent par là. Je vous donne la carte bancaire, ok? Faites pas de dinguerie. Mais attends, mais vraiment, j'ai vraiment un truc. Plipseps. T'as quoi? J'ai un triple plipsex. C'est vrai? Mais attends, vraiment? Un triple plipseps. Il est là, frère. Triple plipseps. Toi, tu me dégoûtes, quoi. Au pire, vous demandez même à quelqu'un. Ouais, vous savez, les produits pour voiture et tout. Je pourrais prendre quoi pour nettoyer? Tu parles, ouais, comme ça avec le téton qui sort ici, là. Coucou. Tu penses qu'il y aura beaucoup de monde? Toi, t'es bien. Avec mes triple plipseps. Moi, je suis carré. Stylé. Et qu'est-ce que tu racontes? Oh là, le seul truc qu'il faut qu'on fasse, c'est on sort la caméra, genre vraiment. Les gens ils comprennent qu'on filme. Vas-y, filme. Mets la cam, sors bien la cam. Ouais, je suis pas. Si on voit du monde, on court, frère. C'est toi, tu vas et tu vois un gars, tu fais. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un petit chiffon pour nettoyer une voiture? Boum. Il nous dit, on y va. Frère, y a personne. Yes. Et puis il dit, oh gros, dépêche-toi, pour l'instant qu'il y a personne. Oh, tranquille. Ouais. C'est l'oignon là, le il a plus la mort. Chiffon, microfilm. Il faut ça pour des ensembles. Vas-y, comme ça sa voiture. Ensemble, c'est super bien. La team, c'est réussi là. Gros, j'ai fait la technique où j'étais intéressé par les briquets. La team, on a réussi. On a 3 chiffons. On a un art magique. C'est gagné. Allez, retour au campement. Allez, c'est parti. Bon, les mecs, ça y est, vous êtes rentrés. Alors, du coup, ça dit quoi? Vous avez trouvé quoi? Alors, j'ai trouvé là à gauche. Tu saoules, toi. C'est du microfibre anti-rayure. Tu peux check les papiers. Ok, ok. Attends, deux secondes. Je te stoppe parce que je suis choqué par un truc. Quoi? Contracte-moi ce bras là. Nadim, comment je fais pour travailler ça? Je mange. Et regarde, moi je t'ai pris un petit tension. Tu fais quoi toi? C'est du liquide vaisselle. Ouais. Mais casse-toi gros. Vous avez acheté quoi du coup? Mais gros, mais casse-toi avec tes mains dégueulasses. C'est une éponge qui vient de tout droit de Bob l'éponge. Et on en a 2. Ok, donc ça veut dire vous allez faire du nettoyage. Je vous mets une musique sexy puis ça sera à vous de jouer. J'ai acheté un autre truc. Toi tu es raciste. Il est raciste? Non, mais pas de raciste. Mais là il se nettoie lui là. Bah il est en train de se nettoyer lui. Il s'allonge pas sur la voiture. Je vais le défoncer. Et arrête gros, mais arrête. Non mais il a raison gros, oh, c'est comme ça qu'ils font les pros aux États-Unis là. Rémi, tu me dégoûtes. Voilà Nadim. Arrête toi, ils sont en train de nettoyer, tu remets tes grosses mains dégueu. Oh, je suis mouillé. Ouais, je suis mort en ouf lui en plus. Mais elle est pire qu'avant là, arrête. Ça y est, c'est bon. En vrai, elle est pas plus propre du tout là. Moi là, j'ai une différence là. Bon, les mecs, je pense que j'en ai assez vu. Je pense que vous avez assez vu aussi. On va passer à l'étape suivante parce que là. Allez vous reposer un peu, allez manger tout ça. Cet après-midi, on a encore beaucoup de travail. Mais dis-moi,
va au coiffeur, ça sert à rien de te coiffer, mec. T'en as trop mis, il y a du blanc, on dirait, il y a un pigeon qui t'a fait caca sur la tête, mec. Bon, les mecs, du coup, on est dans la voiture et là, c'est direction coiffeur. Nadim, il s'est fait une petite coupe beau gosse déjà. T'as pas vu ? Rémi, s'il te plaît, quelle coiffure tu veux ? Dégradé. Dédragué, frère. Il désépaissit tout. Ok. Et c'est bon. Nadim ? Un petit B coloré en bleu. Mais non, mais vas-y, toi. C'est pas un coloriage, Nadim. Zizou, juste la petite barbe. On taille juste la petite barbe et je demande un B sur le côté, toi, en bas. Ah non ! Que des boucles. Mais oui. Ah ouais ? Je pense que je vais demander un petit B aussi sur le teco, un petit B. Donc voilà, les gars, ça fait plaisir. La nouvelle marque, j'espère vraiment, les gars, vous allez kiffer la petite marque. Il va y avoir un Instagram, ça va être Brother, je vous le mets là, ok ? On va être les trois à gérer ça. Vous êtes chaud ou pas ? Ouais. Nadim, t'as pas de téléphone, qu'est-ce que tu me racontes ? En plus, avec les vacances là, on va bombarder les stories là. Vas-y, c'est bon. Ce compte là, ça sera le compte en mode à nous tous et celui de la communauté, c'est bon ? Allez. Les gars, on se retrouve au coiffeur dans. Magnifique, on vient d'arriver au coiffeur, il y a personne. Il y a trois places, les trois ils sont en place, c'est incroyable. Donc là les mecs, il y a les trois là-bas, il y a Nadim, là il y a Rémi et là il y a Zizou. Moi je vais retirer l'argent. Les gars, meilleur coiffeur de Dijon, il est là. Je vais aller retirer de l'argent et je vais revenir, on va voir les résultats directement. Je me garde la surprise les mecs. Je viens d'aller retirer l'argent, là on va retourner chez le coiffeur. Je veux les B du brother. On va voir, on va y retourner, on va voir ce que ça donne. Je suis sur le point de réaliser un rêve. Je vais voir Rémi et Nadim poser en tant que mannequin les gars. Enfin en tant que mannequin, tu me comprends frérot. Rémi et Nadim poser pour un shooting photo. C'est carrément incroyable, mec. Attention, on va découvrir du coup ce que ça donne. Attention. Voilà, là, 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 fais un tour, fais un tour. Voilà, là. Le B, il est incroyable. Ça devait être trop dur à faire en vrai de vrai. Let's go, le B comme browser. Il t'a fait un de ses tapers, mon pote. C'est une dingue. Vas-y, viens, Youssef. Voilà, là, là. Regardez les mecs, comment il est beau. Le B, il est un peu malade. Non, non, ici, il est, c'est des petits B. Petit dégradé, paf. Allez, la coupe. Non, Youssef, t'es incroyable. Zizou, il a juste taillé la petite barbe. Je sais pas, il faut qu'il garde les cheveux comme ça, les gars. Les cheveux, ils sont incroyables, faut qu'il garde. Moi, j'y suis allé il y a une semaine, donc ça va, ça reste encore. Je voulais faire le B, mais vas-y, on a encore perdu du temps parce que là, le shooting, il est tout de suite maintenant. Là, on va passer aux choses sérieuses. On va aller directement faire le shooting photo. Et là, les gars, ça va être magnifique. On a choisi un petit lieu un peu urbain. C'est un peu urbex. Non, c'est pas urbex. Donc, c'est parti, les mecs. Non, regarde pas, toi. Regarde Nadim, il s'entraîne. Contracte triceps. Rémi, tu vas poser là, genre mannequin. Naturel, non, naturel. Je suis en train de me chier. Regarde comment il est en plat. Ah mais frère, là c'est pas Kiabi, c'est pas une pub Kiabi, frère. Bon, ils étaient un peu timides au début, ça y est les mecs. Nadim, tu sais qu'on va faire ça après hein. Oui. Non, c'est chaud hein. On se regarde. Oh, bon les mecs, bien évidemment j'ai pris toutes les tailles si jamais vous posez des questions. De toute façon il y aura tout sur le site internet, tout sera carré bien évidemment dans la description, vous regardez tout ça. Nadim, c'est grave comment t'es frais. Nous on va poser nous deux, on va être plus BG que c'est bon ou pas. Comment ça t'entraîne, à faire des poses, vas-y. Celle-là tu l'as fait hein, celle-là tu l'as fait mec. Oui, celle-là. Non mais non, tu vas pas faire la perche non plus, non. Dark Sasuke, vas-y. On fait des poses sombres. Là on vient de finir avec Rémi, le pull vert. Normalement les photos elles passent bien de fou hein. Rémi t'en penses quoi? Moi j'adore. Le thème ici tu vois avec des grands bâtiments là. Toi je pense que c'est en entier frère, la tenue elle passe trop bien. La tenue elle passe bien voilà. Hein, genre avec le bleu comme ça là. Il va nous rester encore les t-shirts. Noir, blanc, bleu. Normalement on aura à peu près tout. Coco. T'as vu quoi? C'est des gros os dégueulasses. Oh, arrête. Il a touché les poules avec. Enlève, t'es mais dégueulasse là. Ah, c'est là le cul. Le shooting ça se passe en vrai. Moi je pensais que ça allait plus compliqué que ça. Ouais, ça va. Regarde la pose de Rémi. Ça y est gros, c'est devenu naturel. Regarde Nadim aussi, c'est devenu naturel. Pose naturelle. Bon, les frérots, on vient de terminer le petit shooting. Ça s'est super bien passé. C'était carré ou pas les mecs? Vous allez voir les photos sur le site, c'est une dinguerie. C'est une folie, il est trop frais, il est trop beau. Toi. Et Nadim aussi, il passe bien. Vous nous direz tout ça sur Instagram et sur le site si c'est validé. Par contre, la vidéo elle est pas encore finie hein. Genre là on rigole tout ça, mais c'est pas fini. Hein, tu crois que c'était fini mec? Ouais. Et ben y'en a encore. La journée elle est toujours pas finie, mon anniversaire oui, mais toujours moi, pas. Moi je l'ai offert. Moi je t'ai offert un cadeau, mais pas les autres. C'est vrai que. Je t'ai offert trois petites figurines de Star Wars. Ouais. Vu que je regarde pas, ça fait plaisir. Je vais avoir besoin de encore Rémi et Nadim. Zizou, je vais le laisser tranquille parce que Zizou, il a pas fait de 24 heures, il a pas été méchant avec moi. Mais toi et Rémi, vous m'avez allumé. Donc là, on va vite prendre la voiture. Je te réserve la surprise, mais là, il est en train de pleuvoir. Ok, donc on va vite partir, c'est bon. Là-bas, il y a Rémi, je sais pas ce qu'il est en train de faire, les gars, avec les grillages. Les mecs, là, je vous emmène dans une destination que vous allez voir très 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 souvent. J'ai une surprise pour toi mec. Les frérots, on partage tout. C'est la famille, vous, moi, Rémi, Zizou, Nadim. Donc aujourd'hui les mecs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouvel appartement de Tonton Démonexion.
Les mecs, il y a beaucoup de travaux. On va déjà faire un appartement tower. Je sais pas si ça se dit comme ça. Porte d'entrée. Petite porte d'entrée, on a un couloir en face. Sur notre gauche, une pièce, ça sera la pièce de tonton démolition avec bureau, tout ça. Ici, salon. Ici, il va y avoir beaucoup de travaux, les mecs. Ici, petite pièce, les mecs. Ici, ça sera le dressing. Tous mes habits, toutes mes paires de chaussures, etc., etc. Petite toilette. Ok, donc celle-là aussi, il va falloir faire des travaux. Salle de bain, il n'y a pas encore de lumière. Salle de bain, pareil. On va enlever la baignoire, les mecs. On va mettre une douche ici à la place. La cuisine, pareil. Toute la cuisine, on va la dégager, mec. C'était une maison de vieux, hein. La maison, elle date de 1969. L'appartement, pardon. Et ça, ça va être ma chambre. Il va falloir, pareil, enlever le parquet. Voilà, regarde. Il imagine déjà, petit lit. Ça va être une salle de jeu énorme pour nous, en fait, pour les vidéos. Là, on va pouvoir faire des vidéos cuisine sans que les darons nous allument. Ok, donc on va être encore plus libre pour les vidéos, ça va être cool. J'en profite, vu que c'est mon anniversaire. Bah, vous allez faire les travaux à ma place. Tu te rappelles des bobles bricoleurs ou pas? Bien sûr. Et bah, c'est parti. Le bricoleur peut dans le faire. Rémi, je lui ai donné le premier rôle. Son rôle, ça va être d'enlever tout le truc au plafond dégueulasse, toute la mousse. Ouais. Bonne chance. Il y a Nadim qui lui donne un coup de main. Yes! Comme ça, t'es super efficace. Moi, je pense comme ça, t'as fini bientôt tout le plafond. Les mecs, on ne sait jamais dans la maison. Il y a peut-être des pièces secrètes, alors on va visiter. Peut-être ici. Ah non, c'est le four. On va prendre une autre pièce, les gars. Oh! Oh! Coup départ. Les toilettes. Ça fait flipper, je vais pas. Bon, on a fait le tour de toutes les chambres. Je pense qu'il n'y a pas de pièce secrète. Ciao! J'en peux plus, ça commence à être dur mentalement. Je vais commencer à capituler. J'en peux plus. Comment c'est dur. Ça fait 30 minutes que je suis dessus, voilà ce que j'ai fait. Je vous reprends dans 15 minutes si je vais bien. Si je vais pas bien, ça sert à rien. Ouais, encore 3. Ça va la dîme ça? Ouais, ça avance bien, ça avance bien. T'avances bien. Voilà. Rémi en dépression? T'es en burn-out. C'est que le mur de Nadim, on va le détruire. Ça sert absolument à rien ce qu'il est en train de faire. Arrête, arrête, arrête. Non. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais chaud, quoi. Bon, les mecs, l'appartement, il sera jamais terminé. Avec eux, c'est impossible. Si vous arrivez à faire un truc qui monte au-dessus de la poignée de la porte, okay. Je vous achète un grec. Vous avez une heure, c'est bon? Une heure? Allez, bonne chance. J'ai... Attention, au bout d'une heure, c'est pas assez là, tu vois. Non, non, c'est toujours pas assez, moi j'ai dit la moitié de la porte. T'en remets encore 3 derniers, si les 3 tiennent, c'est validé. Alors, vous m'avez pas du tout aidé, là-bas c'était mes dés. Et c'est ciao. Bon les mecs, j'ai fait ce que j'ai voulu aujourd'hui. C'est bon, c'est carré pour l'appartement. Alors, ils ont rien foutu eux depuis le début. Wesh. Ouais, c'était la pire idée de vous emmener en fait. Tu veux non, vas-y, viens, on se casse, ça y est, c'est bon, on est fatigué. Vas-y, viens. Les mecs, vous avez bien travaillé? Tu sais, je suis sûr, sur la Mercedes, je cours plus vite que 30 km. 30 km/h, tu vas plus vite? 30, 40. Si tu cours plus vite, je t'offre ce que tu veux. Par contre, si t'es en dessous de 30 km/h, tu nettoies la Twitoui en Marcel et slip pas de patrouille, c'est bon? Ok. Vas-y, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Vas-y, on attend que Rémi aille au bout. Attention, 30 km/h. Hein. Il pense vraiment que là, il va aller plus vite que 30 km/h. Fous-moi là. 2, 1, c'est parti. Hop, donc les gars là, je suis à 30. Je suis à 25 même. T'as dépassé, je te dis. Avec la Twingo. Tu veux faire à 20? Ouais. Mais tu sais que Nadim, 20 km/h sur la Twingo, sur la Mercedes, c'est la même chose. C'est la même vitesse, il faut que tu comprennes en fait. On se met à 20? Allez, vas-y. Vas-y, c'est bon. À vos marques, prêt, partez. Je suis à 20. Non, je suis à 20, je suis à 20. Il est encore en train de bouder derrière. J'ai rien fait, moi. Eh, tu, j'ai rien fait, moi. Tu, t'es moche.